on the other side. Bonjour à tous, je suis Inochi, et nous nous retrouvons pour l'épisode 11, si je ne me trompe pas, d'Undertale. La dernière fois, on avait fait notre premier affrontement contre Undyne, et ça s'était plutôt mal passé. Entre guillemets. Maintenant, si vous voulez bien, on continue. Bonjour Sense. Je comptais me lancer dans la location de télescope. Temps normal, c'est... 50 000 PO le coup d'œil. Mais bon, vu qu'on se connaît, pour toi c'est gratos. T'as dit quoi? Utilise télescope. Vas-y. D'accord. Ah! Hein? Ça te convient pas? T'en fais pas. Je te rembourse ça de suite. Et est-ce que pas de l'air étrange? C'est quoi une étoile? Ça se touche? Ça se mange? Ça se tue? T'es une étoile? Non, clairement pas. Ça y est, ça a disparu. Alors. Une carte de 21 parfums différents a été peinte par-dessus les anciens glyphes. Je me suis relocalisé, mais je n'ai toujours pas de client. Cependant, j'ai trouvé comment y remédier. Des points de fidélité dessinés avec soin sur des cartes de très bonne facture. Pour chaque glace gentil acheté, tu peux prendre une carte dans la boîte. C'est à voir, écoutez. Mais non, merci, je n'ai pas envie d'en acheter. La flemme. Alors, qu'est-ce que t'as à dire, toi? C'est quoi une étoile? Ah oui, c'est vrai, je t'ai déjà parlé, toi. Ah, y'a quoi par là? D'accord. Y'a un canard. C'est le canard! Oui! Vous entendez une conversation entre deux personnes. Alors, même pas un tout petit souhait? J'aurais bien un, mais il est plutôt nul. Écoute. Oh. Allô, c'est Papyrus à l'appareil. Tu te souviens que je t'avais demandé ce que tu portais? Eh bien, l'ami en question, c'est qui voulait savoir. Elle a une opinion, disons, très meurtrière à ton égard. Mais j'imagine que tu le savais déjà. C'est la raison pour laquelle je lui ai dit exactement ce que tu m'as dit. Mal dit porté. Un vieux tutu. Détalement, je savais bien qu'après une question aussi louche, tu t'empresserais de changer tes vêtements. Tu es vraiment un humain très futé. Du coup, en sentir tous les deux, on sent. Aucune trahison. D'aucune sorte. C'est si simple d'être ami avec tout le monde. Et demi. Par contre, je n'ai clairement. Ah bah. On peut les épargner directement. Non, je comptais fuir. Oh. C'est une paire de ballerines. Je vais vous ramasser cet objet. D'accord. Ballerine, arme, attaque 7. Enfin, une arme à l'air menaçante. A l'air menaçante, tu parles. C'est pas ça qui va... On va faire changer d'avis. Ah oui, le cœur s'en va vraiment avec des pieds. C'est extrêmement chelou. Allez, dis pas ça, promis. Je me moquerai pas de toi.
Le pouvoir de leur arracher leur âme. C'est ce pouvoir que redoutaient les humains. Salut toi. Oh purée la tronche. Hey toi, j'ai remarqué que tu étais là. Je suis Anielsen. Anielsen, t'entends. Oh putain de tronche. Tu visites les chutes, hein? C'est super ici, hein? T'adores cet endroit, hein? Ouais, moi aussi. C'est mon coin préféré. Même si la place commence à manquer par ici. Je dois m'asseoir tout le temps, mais... Eh, quel problème? Je suis mieux ici qu'en ville. À vivre dans un coin incroyable bondé, comme tous mes amis. Et puis l'aquarium est rempli, de toute façon. Donc, même si je voulais y aller, je... Mais ça va aller, t'entends? Inda, il va tout arranger, t'entends? Je vais m'en aller d'ici et vivre dans l'océan, t'entends? Faut voir. Et toi, cette pièce s'arrête ici. On se reverra. Profite bien. Des chutes. Pardon. J'ai oublié. Alors. Ah, on peut pas fuir. Orchestré. Je n'ai pas du tout compris. Si. Oula, oula, oula. Je n'ai pas compris ce qui vient de se passer. Attendez. Le sonore enferme un précieux trésor. Ce pouvoir n'a pas d'égal, cela dit, un humain ne peut absorber l'âme d'un monstre. Quand un monstre meurt, son âme disparaît. Il faudrait une puissance incroyable pour arracher l'âme d'un monstre encore en vie. Il y a une seule exception à cette règle. L'âme d'une race spéciale de monstres appelée les monstres majeurs. L'âme d'un monstre majeur est assez puissante pour persister après sa mort, mais seulement durant quelques instants. Un humain pourrait absorber cette âme, mais cela n'est jamais arrivé. Et maintenant, cela n'arrivera plus jamais. Je m'étonne. Oh. C'est une statue. La base semble être complètement sèche. Oui, on prend un parapluie, on va aller s'occuper de ça. Mettre le parapluie au-dessus de la statue. Mettez le parapluie au-dessus de la statue. Dans la statue, vous entendez une boîte à musique se mettre en marche. Pendant que les touches se mettent, je bois un peu d'eau. Haut droite, bas droite, d'accord. Milieu, haut droite, milieu, bas droite. Ça va pas être très compliqué. Alors. Oui. Voilà, c'était facile. Oh! Une aube. C'est un artefact légendaire. Voulez-vous ramasser cet objet? Ramasser. Vous transportez trop de chiens sur vous. Chien! Oh non! Le chien pénible! Vous mettez le chien par terre. Ah! Non! 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 Non!
Résidu canin. Info. Résidu canin. Objet chien ému en forme de chien provenant d'une carapace canine. What the fuck? Qu'est-ce qu'ils ont fumé, sérieux? Bon, on continue du coup. Cette musique n'empêche. Il y a vraiment des musiques que j'aime beaucoup dans le jeu. Et cette musique qu'on vient d'entendre, c'est l'une de mes préférées. Ah. Le fameux truc qui dit que dans les reflets on voit Kara, mais c'est pas du tout vrai. Yo, t'as trouvé un parapluie? Génial! C'est parti! La vache, une dame est tellement cool. Elle botte le derrière des méchants et elle perd jamais. Si j'étais demain, je ferai pipi au lit toutes les nuits. En sachant qu'elle va venir me botter les fesses. Tu m'étonnes. Et donc, une fois à l'école, on a eu cet atelier où on devait s'occuper d'une fleur. Et le roi, fallait l'appeler Monsieur Drimur. Nous, il nous a offert ses propres fleurs. Et puis après, il est venu à l'école pour nous apprendre à devenir responsable et tout. Et ça m'a fait penser. Yo, ça serait pas trop cool si Inden venait à l'école? Elle pourrait taper sur tous les profs. Oula. En fait, pas sûr qu'elle taperait sur les profs. Elle est bien trop cool pour s'en prendre aux innocents. C'est exact. Waouh, c'est le château qu'on voit en arrière-plan. Regardez-moi comme c'est beau. Waouh, et nous on veut tout là-bas. C'est encore loin, hein, vous avez vu? Voilà. Hop. Yo, il est vachement haut ce rebord. Dis. Tu voulais voir une taille, pas pareil? Crame sur mes épaules. Ah bon? Ah d'accord. Yo, vas-y, continue sans moi. T'en fais pas pour moi, je reste jamais bloqué très longtemps. Mais par contre, tu te ramasses la tronche tout le temps. Ça, c'est pas forcément génial. Bon. Redoutant nos pouvoirs, les humains nous déclarèrent à la guerre. Leurs attaques furent soudaines, sans la moindre pitié. Quelle bande de monstres. Difficile de qualifier ce conflit de guerre. Ensemble, les humains étaient bien trop forts. Et nous autres monstres, bien trop faibles. Aucune âme ne put leur être arrachée et de nombreux monstres furent réduits en poussière. C'est tellement triste. Ah! Bonjour Undyne. T'aimes bien apparaître comme ça, hein? Plus le temps passe et plus ils vont vite. Tu m'auras pas Undyne. Ça va pas faire. C'est tellement simple. Oulala. Elle a accéléré quand même. Bon. Du coup, comment changer de zone? Il y a moyen beaucoup. Peu dans la merde. C'est vrai. Du coup. Ah. Salut! Ah d'accord, elle coupe le pont, carrément.
mon dieu. On est tombé. Sommes-nous morts? On dirait que ça venait de là-bas. Oh! Tu as fait une chute, n'est-ce pas? Tout va bien? Tiens, lève-toi. Inachi, hein? Hé! Hey quoi? C'est chouette comme nom. Moi, c'est... Qui m'a appelé? Qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous? Il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est bizarre. Mais en fait, je sais très bien ce qu'il y a. Je connais le jeu, je vous rappelle. Dans les tas de déchets, il y a plusieurs marques que vous connaissez. J'ai l'impression que des déchets. J'ai bien compris, non? Ah bon. Bon. On avance encore un petit peu. J'ai juste regardé, je l'ai pas tapé. Oula, il y a pas l'air content par contre. On a trop peur pour me combattre, hein? Je suis un fantôme vivant à l'intérieur d'un mannequin. Mon cousin vivait dans un mannequin, lui aussi, jusqu'à... Toi. Crénon, t'étais d'un ennui mortel. Ah oui, c'est vrai. Tu l'ennuyais tellement qu'il ne s'est pas fait prier pour partir. Très bien. Les gens ennuyeux sont comme de la vermine, infestant la surface du monde. Humain, je vais débarrasser cet endroit de ta présence à l'aide de deux mouchoirs de la vengeance. Mais j'ai rien fait de mal. Mannequin, parlez. Vous tentez de parler au mannequin. Il ne semble pas vouloir discuter. L'ambiance n'est pas au rendez-vous. Pitoyable. Un pur. Ah! D'accord. Hey, bande de... Man incapable! Attention, vous tirez avec votre attaque magique! Hé, hey, toi! J'ai rien dit à propos de magie, d'accord? Je vais te vaincre et prendre ton âme. Oula. On continue de parler, non? J'utiliserai ton âme. Merde, j'ai pas le temps de lire. Alors, attaque 30, défense 40. C'est un fantôme, il ne craint pas les attaques physiques. Ah. Touché. Et tout ce que je veux m'appartiendra. Oula. Quoi? Oh oui, je suppose que mon cousin sera vengé. C'était quoi son nom déjà? Je pourrais pas te dire. Bon. Viens pas rager. Bref. Bon. Pitoyable. Oh, ça doit faire mal ça. Inutile. Hey, les gars! Idiot! J'avais pas dit de ne pas me tirer dessus! Parce que là, bande de nuls! Vous êtes tous virés! Hey, c'est ma phrase ça!
Maintenant, admire mon vrai pouvoir. Me servir des gens utiles. J'ai hâte de voir ça. Missile magique. Oh purée, oh purée, oh purée, oh purée, oh purée. Raté. Boom. Aïe. Ah ! Ça fait mal. C'est pas vrai ! Ces types sont encore pires que ceux d'avant ! Peu importe, peu importe, peu importe ! Pas besoin d'amis. Oh. Quand on a des couteaux ! J'ai plus de couteaux. Mais ça ne change rien ! Aucun de nous deux ne peut blesser l'autre. Tu vas rester coincé dans ce combat. Pour toujours. Pas toujours. Pour toujours. Ah d'accord. Mais c'est quoi ça encore? Oh, ça me touche aussi. Ah, il pleut. De l'acide. Oh, et puis zut. Je me tire d'ici. Mon dieu. Pardon. J'ai interrompu quelque chose, pas vrai? Je suis arrivé et ton ami s'en est allé. Oh non, vous aviez l'air de bien vous amuser. Oh non, je voulais juste dire bonjour. Oh non. Eh bien, je vais rentrer à la maison maintenant. Oh, tu peux m'accompagner si tu veux. Mais pas d'obligation. Je comprends si tu n'as pas le temps. Pas de problème. Pas de souci. Je voulais juste te proposer. Ok. Hé, hey, ma maison est plus haut. Au cas où tu vas y voir. Au cas où. Tu vas y pas. Bon, on va s'arrêter là. Ce fut un épisode très intéressant. Il faut dire que je me suis bien éclaté sur cet épisode. Malgré la fatigue. Yeah. Je vais aller me coucher après ça. Je fais le montage et après je vais dormir. Bref, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à balancer le pouce vert comme d'habitude et à vous abonner à la chaîne. Il faut qu'on atteigne les 500 abonnés quand même. Et après les 1000. Les 1000. On vise les 1000 les gens. Et après, je sais pas. Mais si on arrive aux 1000, ce sera déjà fantastique. Voilà. Sur ce, c'était Inouchi. Moi je vous dis. Et... bye tout le monde.